Salut à toutes et à tous, c'est Okrad et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre nouveau Let's Play sur Mini Ninja. Donc on s'était quitté ici la dernière fois, hein, donc sur le tout début de l'aventure on a fait un petit peu le tutoriel, on a fait le vraiment tout début, et puis là ben, on passe enfin dans le vif du sujet, à l'aventure. Allez c'est parti, hop, je retire mon petit chapeau, hop, on va essayer de pas tomber. Voilà. Youpla. Donc en tout cas j'espère vraiment que ce let's play vous plaît dans l'ensemble. Vraiment. Youp. Oula. Alors là ça a l'air un peu casse-gueule. Voilà. Ouf. Ça fait mal. Même pas. Même pas perdu de cœur, c'est beau. Alors on va se mettre en mode discret puisque tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait des sortes de samouraïs par ici. Voilà. Donc apparemment c'est eux les méchants du jeu. Donc, on va s'infiltrer tout doucement. Tchouk. On va passer par là. Alors je sais pas si le côté infiltration est vraiment développé dans le jeu. En tout cas on va voir ça. Je vais essayer de passer ici. Je vais essayer de monter sur le toit. Je sais pas si on peut... Je sais même pas... Oh, apparemment si, c'était déjà prévu dans le jeu quand même. What? Bim, boum, bam! Qu'est-ce qui se passe? Boum, boum! Moi je m'appelle Okrad! Je suis un déglingo! Hop! Outa! Hop! Qu'est-ce qu'il y a de beau à récupérer? Potion de ginseng! Et hop, désolé pour cette petite coupure, hein. Bon, ça sera à peine visible avec le montage. Le téléphone a encore sonné, donc bah, voilà, j'ai été obligé d'aller décrocher. Oui, parce qu'il a sonné au début de Let's Play. Je me suis dit, bon, on va laisser passer, c'est pas grave. Et il a fini par ressonner, donc bah, finalement, j'ai dû y aller, hein, forcément. Donc voilà, ça sera à peine visible au montage, mais je préférais vous le dire quand même, être honnête avec vous. Voilà. Oula. Alors là, on va traverser... Oula, c'est quoi tous ces ninjas là-bas? Qu'est-ce que je vais faire? Bon, allez, j'y vais à la bourrin. Allez, on y va à la bourrin. Moi, je suis un fou. Ah, non, je vais faire mieux que ça. Wapa! Ah non, pas le rocher. Ouf. Alors là, c'est pas passé loin, les amis. Hop. Alors, est-ce que ça se tue, ça? Non, ça se tue pas. Par contre, là, il y a une petite racine de ginseng. On va récupérer et puis on va remonter comme ça. Parce que là, si j'arrive direct sur le pont, à mon avis, je suis grillé. Mais de chez grillé. Alors, la boule rouge à droite, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je préfère vous le dire. C'est peut-être le niveau de repérage. Ah merde. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah d'accord. Ah oui, je me suis trompé de touche. J'ai fait R2 au lieu de L2. On va falloir s'habituer hein, au jeu, bien sûr. Voilà, hop. Non, c'est pas ça que je veux faire. Mais non. Hop. Ah. Et raté. Encore raté. Failman. Tanananan. Failman. François Failman. Le chapeau peut servir de protection contre les flèches. Appuie sur R3 pour t'en coiffer. Alors, on va faire mieux que ça. On va s'infiltrer derrière eux. Ils ne vont pas me voir. Hop. On va les tuer. Bim. Alors là, je suis pas repéré. Pour le moment. Bim. Aïe. Waouh. Eh, c'était pas mal. Ma technique était plutôt bonne. Donc à mon avis, ouais, le côté infiltration n'est pas super développé. Mais je pense que ça va être quand même assez utile. En tout cas, pour le moment, ça l'est. Alors, il y a encore des mecs là-bas. On va se mettre plutôt ici. Alors, je sais pas si l'herbe sera assez haute ici. Je ne pense pas. Enfin, on verra. Mais ça m'a l'air un peu moins touffu que de l'autre côté. Ah, là, il y en a plus. On va se mettre là. On va les tuer petit à petit. Alors là, c'est retourné.
Bim! Ah, il m'a vu. Bon, tant pis, on n'a plus le temps de traîner, il m'a vu. Hop, je l'assomme et je le déglingue. Yes! Voilà. Donc là, on va péter les cages, comme ça, il ne capture plus les animaux. Puisque c'est ça notre but, hein, c'est de libérer les animaux, puisqu'ils sont sous le contrôle du grand méchant pas beau. Alors hop, pétale bleue. Oh non, j'ai pas envie de sprinter. On va y aller tout doux, tranquille. Bon là, y a rien. Ah, d'accord, le niveau est terminé. Alors, sauvegarde en cours, ne pas éteindre le système. Niveau suivant. Plutôt joli les petites illustrations aussi de chargement, j'aime bien. Va au village en flamme. Alors on va récupérer ce qu'il y a ici. Apparemment une petite fleur, pétale bleue encore. Donc là il n'y a rien. Opa ! Ah, là il y a un champipi, un champ gnon, un champi gnon. Oula ! Au feu, les ninjas, la maison elle brûle. Ah, c'est toujours les... Va falloir vraiment me dire si ça veut dire quelque chose, hein, ce qu'ils disent. Donc, si vous faites du japonais, bah, par exemple, je m'adresse là particulièrement à Hideto, si tu peux me dire si ça veut dire vraiment quelque chose, ça serait sympa. Ninja. Les samouraïs ont attaqué le village. Heureusement, les ennemis de l'autre côté de la rivière n'ont pas l'air bien mal. Moi, j'ai vu aussi. Ils ont brûlé le pont avant de le franchir. Et ils sont maintenant coincés sur la rive opposée. Tu dois nous en débarrasser avant qu'ils ne trouvent un moyen de traverser. Pendant ce temps, je vais aider les autres à évacuer le village. Ok, débarrasse-toi des samouraïs qui menacent le village. Allez, c'est parti. Alors là, on va péter ça, on va récupérer les pièces. Tchouk, 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 tchouk. Ah là, ça se pète pas ça. Tiens, dis donc. Wata ! Allez, on va traverser, on va aller dégommer du samouraï. Ce mois sans pitié. Hop. Hop, une petite pleurote. On va passer par là. Et on va passer par derrière. Oh, je suis grillé, trop tard. Un gros sac. Allez hop, prends ça. Ouh. Il y en a encore un, je crois. Ah, il y en a encore même plusieurs. Merde, je suis tombé dans l'eau. Aïe, 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 aïe. Ils sont où? Il y en a un là, tout seul. Hop. Fallait pas rester tout seul, mon grand. Hop. Là, je vais m'équiper de mon chapeau. Comme ça, s'il me tire des flèches, j'aurai pas trop de soucis. Je vais m'en approcher tranquillement. Hop, hop, hop. Voilà. Tac, tac, tac. Et voilà. Yes. Tu as terminé la tâche que le Tengu t'avait confiée. Retourne le voir pour obtenir ta récompense. D'accord. Alors, on va récupérer tout ça. Ah bah, il est là. Ou c'est un autre? Parce qu'ils se ressemblent tellement. Infusion. Ce n'étaient pas des samouraïs ordinaires. Des innocents animaux de la forêt ont été changés en serviteurs du mal. Je dois aller prévenir ton maître au mont ninja. D'accord. Continue ta quête. Elle est de la plus haute importance. Yes. Ah, j'ai obtenu des shurikens. Alors d'ailleurs, on dit shuriken ou shuriken? Ça, je me suis toujours demandé. Alors, hop. Allez, où est-ce que je dois aller? Allez. On va traverser comme ça, ça ira plus vite. Tchouk. D'accord, donc c'est bien par là, et je suis revenu pour rien. Hop. What the?
Allez, c'est parti. En tout cas, il me plaît bien pour le moment, ce petit jeu. Franchement, je pense qu'on va passer un bon moment à faire ce let's play. De très très bons moments ensemble et on va bien rigoler. Je pense qu'il y a des petits trucs assez rigolos, des petits trucs assez croustillants. Moi, j'aime bien. Allez hop, point de passage activé. Wouta ! J'ai mis mon slip de ninja ! Wouta ! N'importe quoi, à chaque fois je dis ça, je sais pas pourquoi. En même temps, ça n'existe pas, les slips de ninja, si ? Les sphères d'énergie rouge permettent d'exécuter des attaques spéciales. Maintien triangle pour passer en mode d'attaque spéciale. Oui, mais c'est déjà ce que j'ai fait tout à l'heure. Ah, donc c'était ça, les sphères. Hop. Et hop, là. On les chope. Hop, hop, hop. Ah, on peut en prendre que deux à la fois. C'est dommage. Ah, regardez, je sais pas si vous avez remarqué. Mais quand j'en tue un, il se retransforme en animal. En fait, c'est tous ces samouraïs, ce sont juste des animaux que le vilain contrôle. Et après, ils retrouvent leur forme normale une fois que je les ai tués. Donc, ils ne meurent pas vraiment. C'est mignon. Allez, hop. On secoue la manette. Oh. Oh, les vilains. Pas mal. Ah, il est vilain. Les gros animaux comme les ours et les sangliers peuvent attaquer les ennemis. Sélectionne le sort forme spirituelle et utilise-le pour prendre possession de l'esprit de l'ours. D'accord. Oh merde. Je me suis foiré là. Ah, pour le coup, j'étais un peu trop loin. C'est pas grave. Eh bien. Ah, raté. Assommé. Bim, boum, bam. Allez, c'est pas grave. C'est... J'ai pas pris l'ours, mais... Mais le cœur y était. Allez, hop, je vais libérer la petite poule. Ah non, c'est même pas une poule, donc c'est un cygne. Hop, liste achetée. Hop là. Les petites piécettes. Dont je n'ai pas encore compris l'utilité, mais ça viendra. J'ai vu des marqueurs de... Des marqueurs. Pouf. J'ai vu des marques de griffes sur le mur. Sûrement Tora. Je vais gravir la montagne pour en savoir plus. Suzume. Hop, on va aller péter ça là-bas. Ouh, il y avait de la pièce. Oh, j'ai bien fait. Et des bombes, et des trucs, et des machins. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, je vais quand même essayer de prendre le contrôle du... De l'ours. Hop. Mais non, c'est pas ça. Ah, c'est un fail, je veux pas de ça. Viens ici, l'ours. Bam, boum, bam, boum. Oh purée. Ah ouais, c'est efficace quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Hein? On cherche au crade? On cherche la merde? Cherche la merde? Tu vas la trouver. Oh, il est mignon, le nounours. Regardez, il est trop mignon. Bon allez, on va pas passer 2 heures dedans, le pauvre. En plus, se retrouver dans un ours un peu dégueulasse. Mais ouais, arrêtez les allusions un petit peu aussi dégueulasses. C'est ça qui est le plus dégueulasse dedans. Hop, ginseng. Ah, il me suit le nounours en plus. Ça c'est bien. C'est une sage décision, mon petit nounours. Oula, je suis repéré. Allez, c'est parti. Boum, boum. Boum, boum. Assommé, bim. Allez, je t'assomme, je te déglingue. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, allez, hop, on va se replanquer. On va essayer de faire les choses proprement quand même. Et pas toujours y aller à la bourre. Bam. Alors là, c'est... là, ça va être plus bourre. Voilà. Oh, il y en a pas mal, là. Combien ils sont? 4. Oh, c'est abordable. Oh, je les vois pas. Hop, voilà. Trouve des sorts cachés dans la nature. Appuie sur Select pour ouvrir l'inventaire, puis équipe et utilise le sort détecteur d'hôtel. D'accord. Hop, pour l'instant, on va tuer les méchants. Ah, il m'a touché! Le vilain. Allez, dégage. Alors...
Ouais. Non, c'est pas ça que je devais faire. Ah d'accord. Voilà. Détecteur d'hôtel. Et on va utiliser ça. Alors, apparemment ça se passe là-bas. Ah oui, il y a des petites lucioles en effet. Ah, donc on va continuer par ce côté-ci. Ah oui, il y a un hôtel. Alors il y a des plantes. On va aller les ramasser. Ça c'est un lapin, donc ça n'a rien à voir. Anémone, cette fleur spéciale permet d'activer les hôtels. Bon bah j'ai bien fait d'aller juste ici. Et on va l'activer. Est-ce qu'il va nous faire notre deuxième sort, les amis? Enfin, troisième si on compte celui qu'on a eu gratos au début, mais notre deuxième sort d'hôtel. Ça, c'est bien. Alors, nouveau sort découvert. Boule de feu. Lance une boule d'énergie magique dans la direction choisie. À l'impact, elle explose en endommageant tout ce qui se trouve à proximité. Je vais y arriver. Voilà, on monte ici, on va aller voir ce qu'il y a. Attendez, je vais faire un essai. Ah, on peut viser, c'est pas mal. Kamehameha. On va peut-être pas trop l'utiliser souvent, puisque regardez la barre d'énergie comme elle a chuté. Ah, plutôt la barre de stabilité, je ne sais plus trop quoi. Enfin bref, en gros la barre de magie. Pour les intimes. Alors, par contre là, si je pourrais trouver des petites pommes, ce serait pas de refus. À moins que dans mon inventaire j'en ai. Non, je pense pas. Non. Bon, j'ai rien vu. Ah si. Ah non, c'est des plantes. Ok. C'est tout. Bon bah c'est pas grave. Ah, c'est la copine. La copine ninja. Oh les boulets. Il a la tête écrasée. Oh énorme. Bah, tu peux sortir ma grande là, hein. Les barreaux ils sont assez larges, hein. Si tu veux mon avis. Oh ils sont. Oh ils sont pas contents. Touk. Ouais. Tata. Voilà, et de deux. Tranquille. Ah il flippe le grand quand il a pu les petits avec lui, vous avez vu? Regardez, il s'enfuit. Ça le lâche. Viens ici. C'était quoi à la base? Un petit chien, on dirait un petit chien, ouais. Un petit chien qui se transforme en grand truc comme ça, c'est un peu étrange. Donc on va libérer les animaux d'abord. Ouais. Vous voulez pas bouger, copain? Ah ouais. Merci. Voilà de l'expérience. Récompense niveau supérieur. Bonus de ki. Ta réserve de ki a augmenté. Ah d'accord. Hop, on va libérer la copine avec. Tu as sauvé Suzume! Sa flûte lui permet de jouer des mélodies enchantresses et lui sert également d'arme. Alors, l'option bonus dans le menu principal. Ouais, bon, ça on verra plus tard. On va aller voir s'il y a quelque chose dans cette petite rivière. Je ne pense pas, mais bon. On va aller voir quand même. Sait-on jamais. Retrouvaille avec Suzume. Alors là... Ouais, bon. Voilà. Allez, il n'y a rien ici, c'est pas grave, on continue. Donc là, ça fait bientôt 20 minutes. Donc, à mon avis, prochain point de sauvegarde, on se quittera ici. Donc, à mon avis, ça atteindra les 25 minutes. C'est vrai que 20 minutes, c'est pas toujours évident à faire. Ouh là, il y a du monde. On va y aller tout doux. Ah, quoique. Attendez, je vais passer là. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais. Non, c'est pas ça que je voulais, purée. Et quel boulet. Ouais. Je suis repéré, là. Non, je pense pas. Hein. Hop. On va changer de sort. Forme spirituelle, voilà. Puis j'ai vu un... Hop. Voilà. J'ai vu un sanglier. Voilà. On va les déglinguer au sanglier. Boum. Regardez ça. Allez hop, on y va. Sans pitcher. Pas de pitcher pour les faibles. Et voilà, on a encore sauvé des animaux. Ça, c'est bien. En plus, je pense que c'est la fin du niveau. Alors là, ce serait parfait, parce qu'on serait vraiment dans un bon timing. Ce serait vraiment parfait.
qu'est-ce que ça donne? Hop, on secoue. Et c'est pas la fin du niveau. mais, il y a un point de sauvegarde. Hop. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on est à presque 20 minutes. Bon allez, on va pousser un petit peu, on verra si c'est long. Konnichiwa, jeune ninja. Excuse-moi, mais je n'ai pas le temps de discuter. J'ai des potions à préparer. Enfin, à vrai dire, il me manque un ingrédient. Des fleurs de bardane. Elles sont violettes et poussent généralement le long du chemin qui mène au temple. Si tu m'en rapportais une, je serais prêt à te récompenser. D'accord. Une fleur de bardane. J'en avais pas une tout à l'heure, ça. On va regarder. Je trouve que j'en ai une. Ah non, pétale bleu. Pourtant, ça a l'air violet sur mon écran. Je sais pas pourquoi. Hop. Alors, on va pas commencer par là. On va aller lui chercher sa fleur et puis après on se quitte ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? C'est quoi ça? Ah bah voilà! Ah oui, c'est des chardons en fait, ouais, fleurs de bardane. Ah, ça s'appelle comme ça. J'ai toujours appelé ça des chardons, je sais pas pourquoi. Tu as trouvé les fleurs de bardane yes. dont j'avais besoin! Oh, grâce à... Ouais, j'ai même pas passé là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il m'a donné une potion, c'est pas grave. Eh bien écoutez, on va se quitter ici à côté de notre ami l'oiseau, le piaf. Voilà, et bah moi écoutez, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode ou même une autre vidéo. À bientôt, ciao ciao, c'est Théocrade, et surtout, comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. Je ne sais pas pourquoi je décompose mes mots, mais en ce moment, je n'arrête pas de faire ça. Allez, à bientôt tout le monde, ciao ciao.